tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment je réalise ma chapelure. Quand je vais faire peut-être des boulettes de viande ou de poisson. Pour réaliser notre chapelure maison, on aura besoin de 4 morceaux de pain rassis, qui est vraiment bien rassis, et de 3 gousses d'ail. Et j'aurai besoin aussi d'une bouteille vide en verre pour cogner tout ça, de notre mixeur et d'un sachet en plastique pour que ça ne saute pas de partout. Je vais donc ranger le pain à l'intérieur et concasser avant d'écraser dans le mixeur. C'est tout ce dont on aura besoin pour faire notre chapelure maison. Et moi, je mets l'ail dedans pour déjà pour donner du goût à la chapelure, pour que ce soit plus bon. Donc, si vous ne voulez pas, vous pouvez mettre l'ail de côté et faire seulement avec du pain. Mais je trouve que ça donne plus de goût quand on passe nos viandes ou bien nos poissons là-dedans avant de faire frire. Ça ajoute toujours quelque chose. Je vais donc mettre tout ça dans notre sachet en plastique. Et concasser déjà un peu avant de mettre dans le mixeur. Notre chapelure est terminée. Voilà notre chapelure maison terminée. Et ça sent tellement à l'ail, c'est parfumé à l'ail. Et ça sent tellement bon. Voilà donc ça. Et on peut réaliser ça avec n'importe quel pain. Hein. Donc vous pouvez faire votre chapelure avec du pain complet, avec du pain semi-complet, avec du pain blanc, comme vous voulez. Le procédé est pareil. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci de vous abonner, de partager et de liker. On se dit donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bisous. Bye.